I'm Megan O'Leary, and here's what you need to know for your UFC Minute. It's an old fight game adage that fans love nothing more than a knockout. If that's the case, then they will love this featherweight banger, who was celebrated today for delivering the most knockouts in UFC history. A record achieved thanks to his devastating prowess in the octagon with his fists, feet, elbows, and knees. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Eh oui, nous sommes champions. Champions UFA. On va voir ce qui concerne la suite. En exclusivité, Félon vainqueur contre Aldo s'empare de la ceinture poids plume de l'UFA. Le champion est arrivé. Tels étaient les premiers mots de Liu Félon juste après sa victoire contre José Aldo samedi soir, quand il a fait de lui le champion poids plume de l'UFA. Le chemin a été long et ardu pour Félon, mais une fois la porte de l'octane fermée, il a fait montrer de ses compétences et de sa détermination qui s'est vu propulser au sommet de la catégorie de poids de 65 kg. Le défi pour Félon est désormais de défendre son titre contre une horde de combattants affamés, prêts à prendre sa place. Et oui, on a la ceinture. Félon est au sommet de son art, vivement son retour dans le temps prochainement. Et voilà. Nouveau contrat remporté. Superstar. Ouais, on est vraiment monté haut. Hein? Waouh, on va affronter Conor McGregor. De Notorious MMA. Salut Félon, si tu viens dans ma catégorie de poids, tu vas le regretter. Tu as gagné ton titre, je te respecte, mais je vais t'affronter. Ok. Félon est une honte pour ce sport. Les combattants ont gagné leur chance contre lui et c'est à moi qu'ils pensent. Ma priorité, c'est ma carrière. Je suis là pour combattre n'importe qui, toi y compris. Tu ne fais pas clairement par le poids. Je vais prendre ta ceinture et faire le ménage dans deux divisions. Bon, je vais mettre le deuxième truc parce que Nord est fort. Hein? Ok, on va un peu voir à quoi ça ressemble. Tiens, donc il y a 4 combats avant de rencontrer Conor. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Ciao, ciao.